Au conseil de transition, fait que mettons l'aide de yo. Dans l'aide ça, yo écrit premier ministre Bahamas là, yo une façon pour capable annoncer que HCT pas participer dans sommet CARICOM là qui va gagner pour dérouler dans pays Jamaïque qui sorti 11 pour arriver 13 juin 2023. Eh bien madame monsieur, dans note ça que HCT écrit là, yo rappelé yo que yo t'ai organisé déjà un forum sous même thème ça dans date 23 à 24 mai qui s'est passé là. Donc, il y a parole nécessaire pour participer dans la rencontre ça avec même acteurs encore. HCTA te souligné tout que dialogue pour résoudre problème pays, il doit fait, elle doit fait en Haïti à quelques haïtiens dans bénéfice nation. C'est bien sûr président HCTA, Mélod Maniga qui signe note ça. Dans l'autre bois, nous avons 4 personnes qui ont perdu la vie, 36 autres blessés dans Jérémy, ça c'est bilan parce qu'il y a un tremblement de terre qui est arrivé au département Grand Est hier matin, à un magnétite de 5.5 d'après chiffre protection civile communiqué ça. Individu victime après effondrement de caille pendant passage tremblement de terre là. À travers un tweet qui est publié ailleurs, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti entend porter victime inondation entre le monteur Jérémy au secours et représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Nous connaissons qui c'est Maria Isabel Salvador, lui exprimer solidarité li avec victime. Et d'une autre part, nous avons un cas choléra qui persiste pour augmenter dans le pays d'Haïti, dans le département Sud-Est. Plus précisément, après la pluie qui était fin tombée sous pays samedi 3 juin, autorité sanitaire yo recensé 3 moun pou piti qui t'a mouri dans Jacmel et hier gen 40 l'autre qui t'a malheureusement trappé virus là qui déjà a pris soin sous cabane d'hôpital. Eh bien nous gen tout notre part à Jean BLTS Ronald docteur, nous connaît que des CPJ t'a arrêté. Eh bien hier Ronald docteur rive jeune libération li après audition. Ronald docteur nous connaît qui était soupçonné comme moun qui était aidé frère li docteur Johnny qui lui-même qui était payé côté que la police ak la justice t'a cherché le coucher fou dans dossier trafic d'armes ak mission qui t'a impliqué l'église épiscopale d'Haïti. Nous gagne femme actif qui dans bouk rivière la Tibonite qui malheureusement pas suspend victime Zak Kadejak en bas main en réseau Kadejak qui prend naissance dans Tibouk rivière la Tibonite là. Citoyen dans zone ça dénoncer Zak sa yo et au mandé concours autorité concernée yo. Nous gagnons toujours hier et nous connaissons qui marquait 99e l'année existence direction générale impôt DGI. Et pour te célébrer jeunesse ça, responsable de DGI qui organisé une cérémonie dans présence de plusieurs membres dans gouvernement dans différentes interventions yo et responsable dans gouvernement yo mettait accent sur rôle et importance DGI dans rentrer l'argent pour permettre l'état bien fonctionner. Madame monsieur ensemble je dis assez grand pour ça nous va pour développer pour national là n'a pas un côté pause n'a tourner. Yon pays qui fin crasé. L'aime de petit, expression ça pas de gain sens pour moi malgré le en créole. L'amour de kon partager avec zanmi yo, pas de bon temps pour me chercher comprendre tout. L'aime vin voyager, j'aime commencer l'ouvrir sur quelque réalité. Même te vin piper réalité ça yo. M'pas t'envie comprendre. Après 10 ans dans pays l'étranger, malgré toute mauvaise nouvelle, nostalgie exige me venir visiter pays et c'est là on commence à regretter qu'il me dégrandi plutôt que de partir. Dans la bataille entre nous, nous pas engagés, nous n'avons rien qui est important pour nous.
debi se fa pochou ki te mele wa kidnapin jaspo rauka te kyo ki te mele wa pay show na kle on ne manifeste ma de justice pou Jovenel para cet an juge de paix pou ko fè constat de saline est ce que tep nou droite ki justice n'ap chèche la Abraham gen pou li dissertation n'ap fout suspend rase la I love my country je t'aime Kilen ap sispan fè kaka Semblen ba fout wèn an reta Merci, politiciye Merci, bourgeoisie Pou tout sa ki fè nou mal yo Ton ekraze mou gou met fout pè te fiel Pè l'avokat fonksyonè moun pralin kou sadine Pè dan bak machan bak a pose sou gran ri o jezi Bagay sa fèm ri I just fucking love my country Ki yes Ki yes ki vre gangster Ki yes Ki yes ki pou gongon Village de Dieu Grand ravine 400 marozo Je ça t'ai annoncé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec votre ami Renette Thomas qui est présent là ce matin pour vous informer. Nous gagnons, j'en ai annoncé, nous gagnons 327 familles sinistrées, 50 jardins qui dévastés, plusieurs tronçons routes endommagés. Dans plusieurs zones de la commune Miragouane, c'est bien sûr bilan définitif responsable de la protection civile ni a présenté après Godiga la pluie qui tombait pendant le week-end là sur plusieurs communes dans le département. Fidèle Nicolas lui-même demandé avec la population pour être capable d'être vigilant parce que il y a un tropical qui a formé dans le Caraïbe et on est capable porter en pile de l'eau avec vent sous région Nipla. Fidèle Nicolas t'a répondu une question correspondant à nous en Claude Lassin depuis Miragouane. Du 1er pour le 4 juin 2023, nous n'avons pas de monde qui mourit, nous n'avons pas de monde qui blessé, nous n'avons pas de portée disparue. Alors, nous avons enregistré les 327 familles qui sont sinistrées, puisque nous avons gagné 327 cas qui sont inondés. Et c'est ça, évaluation de moi. Nous sommes sortis de la zone de Misden et passé par Dufour, Savonne Ouest, Tissavonne. Prend zone Viroute, Béquet et Carunage, donc toute zone ça a été gagné qui nous dit. Mais alors que les zones, si n'a pas un dispensable, ouais, et bien la pluie qui est en sortie, la pluie des faits, mais il va te causer des dégâts. C'est-à-dire, à part bien avant de gagner des gars qui étaient inondés sous les lieux, mais c'est pas la pluie première pour les gars. Donc nous avons gagné tout et aussi des fils qui étaient endommagés, soit pour zone évêché, soit pour l'hôpital de la carte, qui ont tombé, soit pour l'hôtel Chéden, qui ont été tombés, soit pour deux dispensés, soit pour dispenser Chalon. Et bien à cause de toiture qui était en mauvais état, c'est que nous aussi en pile d'eau. Et gagné dispensé tout de même. Toiture qui n'est pas tellement forte, fait que nous avons pile d'eau qui affecte les dossiers et les médicaments. Et puis, bon, avec, au niveau agricole, il y a des jardins bois, des bananes, des maïs,
Oui, c'est comme ça l'information va continuer. Nous avons un gros appui à nous connaître qui tombe sous plusieurs communes dans le département nord-est. Toujours hier, ça a été la cause en pile cité de prendre l'eau dans cette ville. Et nous connaissons ville commune Wanamet avec beaucoup de mounio de jeunes chasse ramasser de l'eau dans le caillou, mettre dehors. C'est parti, un petit manœuvre petit. Exactement, nous avons une association paysan planteur dans divers pays, dans nord-ouest pays. Nous avons demandé avec le responsable direction départementale agricole, agronome Charité, lui, pour être capable de fournir, garder, parce que vous vraiment en difficulté. Côté que vous avez un gros appui qui a tombé, gros appui, vous n'avez pas mais que ça puis grave et l'appui n'a pas quitté à rien du tout. J'ai besoin de petit pour plus de détails. Après gros la pluie qui tombe sur le département nord-ouest, qui la cause divers paysans plantés, pas connaît qui s'est pour relayer dans l'occasion à diverses associations plantées qui dans divers coins à travers le département nord-ouest, là, mandé avec le directeur départemental agricole nord-ouest, agronome Charité Louis, pour les rouennes qui moyen les capables de porter aide avec soutien pour eux, parce que ils ont perdu presque tout ça au gagné, tant que plantation était en fait, les animaux ont mouru, majorité route censée endommager, ça la cause, transport en commun. Mais paraît impraticable. Maman avec papa petit qui a vivent dans diverses sections communales dans le département de l'Ouest, fait qu'on est si moun ta malade, mais c'est sous porte pour capable porter pour aller prendre soin l'hôpital tellement 300 route yo pas bon. L'important pour nous faire connaître la pluie qui tombe sur le département de l'Ouest, la cause grand goût à la misère augmentée dans diverses zones reculées dans la ville pour de paix à cause des routes yo qui pas bon qui permettent machine avec motocyclette pas qu'à circuler. Dans ce sens, yo mandé avec responsable au niveau département nord-ouest là pour capable garder dans quelle manière capable faire intervention rapide vite pour résoudre problème si là Jebson Petit depuis Port de Paix TAC 609. Oui, dirigeant en uniforme là c'est hier un atelier de formation tout en faveur de mesdames yo sous développement politique ak plan pour combattre violence qui a fait sous femme actif dans pays d'Haïti. ONU femme c'est lui-même qui a gen chance et organiser sa PNUD, UNICEF une part, c'est bien sûr quatre entités sa yo qui prend initiative ça qui jeune support financier Union européenne et atelier ça li a déroulé dans commune Pétionville pendant 3 jours mardi 6 mercredi 7 à jeudi 8 juin 2023 qui va gen pour venir là. Marie Goretti c'est lui-même Goretti doit Yo, c'est représentante ONU Femmes. Non, plus précision pour nous sur information ça dans micro. Au nom de ONU Femmes et au nom de Madame Ulrika, représentée ici par Madame Fausta, c'est des formations qui visent l'administration publique sur le développement de politiques publiques et plans de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti. Je remercie Madame la Ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes pour cette initiative qui témoigne de la volonté du gouvernement haïtien de travailler pour l'élimination de ce fléau au sein de la société et promouvoir l'égalité pour les femmes et les filles haïtiennes. La violence faite aux femmes et aux filles est l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices au monde,
affectant plus d'une femme sur trois au niveau global. Cette violence persiste parce que les inégalités entre les sexes demeurent, sont systémiques et culturellement ancrées. La prévalence des violences faites aux femmes et aux filles en Haïti connaît des niveaux alarmants. Selon les données de la dernière enquête de mortalité, morbidité et utilisation des services, 29% de femmes en Haïti sont victimes de violences physiques et parmi les femmes en union qui ont subi la violence sexuelle, le partenaire masculin est l'auteur dans plus de la moitié des cas. Les jeunes filles de 15 à 19 ans représentent le groupe d'âge qui éprouve la plus haute prévalence de violence de la part d'un partenaire intime. Et cela représente 58%. Et de la violence physique pendant la grossesse, 12%. En termes de violence sexuelle, 12% de femmes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie. Cependant, la stigmatisation sociale, la crainte de représailles de la part des auteurs, le manque de confiance des survivantes dans les institutions et l'acceptation, banalisation sociale des violences faites aux femmes et aux filles, entre autres, contribuent à de très faibles niveaux de dénonciation. À peine un quart des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles a déclaré avoir recherché de l'aide et que seulement 11% de celles-ci l'ont fait auprès de la police et 1,3% seulement auprès du secteur de santé, le reste préférant chercher le soutien de leur famille proche et non des autorités ou secteur public. Nous gagnons le lancement officiel atelier formation, nous connaissons qui lui-même déroulé en présence ministre conditions femmes et droits femmes, Sophia Loreus, qui lui-même félicite toute entité qui colle les épaules pour une activité ça possible. Ministre Loreus promet avec le ministère que l'a dirigé, l'a continué travail pour combattre la violence qui a fait toutes femmes actives dans le pays d'Haïti. Sophia Loreus, pour te plus précision pour nous, m'a invité à t'aider avec. C'est pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous ce matin à cet atelier de formation sur le développement des politiques publiques et plans pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles visant les hauts cadres des ministères sectoriels, en particulier les cadres des UEP, les points focaux genre et autres cadres impliqués dans la planification institutionnelle. En effet, cette formation a pour but de former les acteurs du secteur public sur la méthodologie de formulation régionale des droits humains ainsi qu'aux principes d'égalité de sexe. Par conséquent, la réponse de l'État doit être globale, pluridisciplinaire et multisectorielle. C'est dans cette optique que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, organe étatique chargé de concevoir, de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques de la condition féminine et des droits des femmes durant ces trois jours, soit du 6 au 8 mai courant. Manque de politiques et plans sectoriels intégrant les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti. Par cette démarche, le ministère à la condition féminine entend adopter une approche holistique née pour appuyer les secteurs œuvrant dans ce domaine en vue de l'intégration des violences faites aux femmes dans les programmes et les politiques sectorielles. Je demeure donc convaincue que d'ores et déjà, avec vos nouvelles connaissances dans le domaine des VFF, compétences et expériences réunies, vous serez à même de développer des politiques ou plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et de les intégrer dans les politiques et plans sectoriels de votre institution respective. Je ne terminerai pas mes propos sans adresser mes mots de remerciement aux formatrices pour les efforts consentis dans la préparation des modules en vue d'inculquer aux apprenantes et apprenants les notions appropriées pour la mise en œuvre de ce programme.
Mesdames, les victimes de Zak Kadejak en bas en réseau Kadejak, réseau ça prend naissance dans Boukti Rivière, et bien citoyens dans zone là dénoncé Zak ça yo et demandé pour responsable dans ministère conditions femmes ak droits femmes font pencher sous dossier ça ka femme Rivière la Tibonite qui a connait toute mauvaise calamité en bas bandi ak zam yo. M'a invité écouter ak mon Désir Venesse depuis Rivière la Tibonite pour plus de détails. Insécurité qui existait dans la commune Tirivière la Tibonite là par suspend fait victime dans toute couche dans tout secteur à travers communauté à dans commencement semaine là femme actifi ses cibles bandi examio plusieurs femmes actifi victime zak viol kadejak bandi yo pas identifié situation ça la cause parents yo qui pas en mesure pouvoir yo enregistrer montrer clair que commune Tirivière la Tibonite plongé dans niveau que yo pas jam souhaité yo mandé à responsable organisation cap défendre droit moun yo pour prendre défense femme actifi dans commune Tirivière la Tibonite cap victime en bas terroriste Zagouloraio yo mandé ak ministère conditions femme yo pour penser ak situation mesdames yo dans Tirivière la Tibonite parents yo fait quoi yo pas gagné pièce garantie pour continuer rester vivre dans commune nan après cicatrice que yo gagné suite avec petit yo qui victime en bas bandi exam yo pas suspend poser question qui jour qui l'est qui date la police a vinn fait job que yo gagné dans cinq communautés haïtiennes yo qui s'est protégé accès bien population yo situation vraiment compliquée pour monde qui vivent dans commune Tirivière la Tibonite dans dernier jour yo n'a pas rappelé c'est depuis 26 janvier police abandonné commissariat Tirivière la Tibonite qui était ak des portes li l'ouvri Désir Venesse Tirivière la Tibonite cité Crête à Pierrot tag 509. Et oui, citoyen nan di makay a expérimenté trafic sous la mer là pour capable rendre dans capitale là à cause nèg exam qui occupe route nationale numéro 1 bâtiment chargé Koulegba. Condition moun yo a voyager a très dangereux et son série de voyages a fait tout en bas autorité semana yo dans commune. Plus de détails ou pour joindre nous tout comme ça avec correspondant nous Pascal Forissil depuis arrondissement Okaï. Insécurité Captaï Banda sous national numéro 1 en coupé contact capital là à grand pays a en plus nèg exam qui occupé sous smart là yo vini mettre absé sous clou machine yo pas voyager moun ki nan arrondissement Akaye yo obligé joignon moyen pour entrer dans capital pays a c'est comme ça yo vinn développer trafic sous la mer depuis plus passé 2 mois c'est sous kan note dans condition difficile moun yo a voyager bâtiment sa yo ki te fait pour porter 50 moun obligé à transporter plus passé 70 moun ak marchandise c'est dans condition chercher la vie détruire la vie moun sa yo a voyager devant de grande autorité semana yo dans commune nan. Parce que bâtiment sa yo ki jis gen un petit moteur pa gen aucun équipement pour protéger moun yo si ta gen naufrage malgré pa gen équipement moun ka voyager yo obligé payer 1000 goud si yo pa porter marchandise mais si yo gen marchandise yo paye jusqu'à 2500 goud pour aller descendre sur Wav Jérémy qui trouvait dans zone la saline parfois en pile nan yo kon victime zak banditis sous la mer côté nèg exam kon prend tout ça yo gagné et puis forcé yo casser tête retourner la caillou situation ça la cause prix produit premier nécessité yo pas jamais suspend augmenter chaque jour bon Dieu mette dans tout arrondissement Pascal Fleuristil depuis arrondissement Akaye tag 509. Juge Walter Osser Voltaire qui t'est arrivé faire audition 6 juin qui s'est passé là, eh bien ancien conseiller spécial président Jovenel Moïse là, nous tous connaissons qui c'est Ardoin Zéphirin, dans cadre dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, juge là t'étendel Emmanuel Gentil, avocat Ardoin Zéphirin, lui exprimer satisfaction sur déroulement audition. Il fait connaître que le client là a toujours été à disposition de la justice pour faciliter l'enquête sur dossier ça les mêmes temps abouti. Nous gagnons avocat Marc Antoine Maisonneuve qui exprime réserve li sous condamnation Rodolphe Jolan dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Il dit ça pas fait ni chaud ni fret et homme de loi a dénoncé que manœuvre autorité américaine a fait là dans le dossier ça pour protéger allié qui t'approche li alors que yo a livré si là yo qui pas proche yo zak assassinat ça son crime transnational d'après maître Maisonneuve et li dénoncé en même temps tout autorité américaine yo qui yo même te vinn prend plusieurs inculpés dans le moment que la justice haïtienne a déjà commencé à mener enquête sur le dossier ça. Marc-Antoine Maisonneuve, pour plus de détails dans le micro. Il y a une tentative qui a fait dans le dossier ça pour protéger des alliés et livrer, condamner les gens
qui pas trop proche nous. C'est ça lié. Quand les agents de la DEA, FBI étaient venus en Haïti, ils étaient tous rentrés aux États-Unis avec Monzayo, avec ces quatre personnages. Mais jusqu'à cette présente minute, aucune explication rationnelle n'est fournie. Et bien, Hamdou, convention en vertu de laquelle, accord en vertu duquel, que tu as au jeu le droit pour venir prendre Monzayo, non. Ouais, jusqu'à présent, que ce soit de la part des acteurs locaux, que ce soit de la part des acteurs internationaux, pas une pièce pour nous qui doit, que mais ça autorisé. Et ça qui est essentiel pour nous comprendre tout, c'est que la justice haïtienne, depuis bien avant, était allée avec Negyo, t'es commencé à poser des actes. Comment juridiction déjà t'es qu'à commencer à poser des actes, juridiction t'es qu'à faire une ordonnance, t'es qu'à mon yo lagué, t'es qu'à mon yo arrêté, et en dépit de tout au cours de procédure là, ouais, yo vin là yo prend quelqu'un moun sa ou t'es en prison. La condamnation de monsieur Rudolf Dia, li pa fait non ni chaud ni frais. En notre qualité d'avocat constitué pour assurer la défense des gens qui sont déjà privés de leur liberté dans le cadre de ce procès, nous voulons continuer à suivre attentivement l'évolution de ce procès. Assassinat Jovenel Moïse, c'est un crime transnational. Les quatre crimes prévus par le statut de la CPI, de la Cour pénale internationale, et que l'on peut regrouper en deux catégories. Quelles sont ces deux catégories? Ce sont les crimes contre l'humanité et les crimes liés à la guerre. C'est pour crimes ça, yo. C'est dans le cadre de la perpétration de ces crimes que l'on peut parler de l'implantation d'une justice pénale internationale. Mais pas Jovenel là, pas ça. Et que l'on peut solliciter l'implantation d'une juridiction pénale internationale pour juger les gens qui se sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel. Même si nous n'étions jamais d'accord avec la façon dont Jovenel Moïse savait diriger le pays, même si nous étions constamment dans l'opposition, mais en notre qualité de défenseur des droits humains, vous savez que l'obligation nous est faite d'exiger que la lumière soit faite de cet assassinat. Oui, condamnation Rudolf Dia dans le dossier assassinat Jovenel Moïse a été étonné avocat Renaud George en pile et il fait connaître que Rudolf Dia partage pour col. Il y a en pile l'autre gauche à bras qui t'a impliqué dans le dossier assassinat ancien président tout. Eh bien, homme de loi, il a reproché autorité judiciaire américain qui condamné Rudolf Dia à vie. Il encourage tout concerné à faire appel avec décision ça et puis collaborer avec la justice américaine pour être capable de réduire la peine. Renaud George, tu es dans le micro. Pour moi-même, c'est étonnant parce que, premièrement, il n'a pas agi seul. Et deuxièmement, il débat des bribes d'informations et qui pour permettre la justice américaine d'avancer. Moi-même, je trouve la condamnation excessive. Moi-même, parce que même si il a 20 ans, 25 ans et même 30 ans, mais à via. Bah oui. Mais et toujours est-il les possibilités pour faire appel, quoi qu'avocat l'a dit que monsieur peut beaucoup prononcer son appel là, mais il a tout à fait intérêt à faire appel. Parce que je suis presque sûr, s'il fait appel, il a réduit cette sentence-là. Donc, il a intérêt à faire, et ensuite, il est capable de collaborer, bah, des informations de première main que mon peut entendre. Parce que s'il n'a pas là, dans la cuisine de la là, qu'il connaît que les communs de motel pas au courant. Donc moi-même, d'encourager monsieur pour faire appel de décision ça. Nous avons un dirigeant challenger populaire, Reginald Dumé, qui exprime insatisfaction li sous sanction pays États-Unis commence à prendre contre certaines personnalités là qui gaspillent tout l'argent Petro-Caribéa, Petro-Challenger, ta fait qu'on est que y a difficile et y a satisfait la justice arrivé condamné tout le monde qui impliqué dans gaspillage l'argent ça. D'après Reginald Dumé, c'est bien sûr dilapilade fond ça qui ta gangsterisé pays a, c'est en façon pour procès Caribéa pas jamais fait, pour procès plutôt Caribéa pas jamais fait. Donc Reginald Dumé t'es dans micron. Si n'a parlé de dialogue, si n'a parlé de solution pour Haïti, moun sa pas capable pour vol. C'est pour eux ça qui fait nous dire, puis le coup de bol, puis ça moun sa pour aller, c'est 3% simplement que là de peut-être qui pas famille ou des amis gouvernement sac là 3% dans 100%.
Et moun sa yo, je dis à moun sa yo pa ka jwenn une solution pour Haïti parce que 40 ans. 40 ans son y a fait, y a chita, y a boire, y a manger parce que yo pa jamais chita avec pour yo jwenn, pour yo tire yon résolution dans le pays pour que le pays a sorti dans sa lia. Pour que nous jouions un résultat. Qui veut dire, même moun sa yo, c'est parce que blanc connaît, même les chita entre yo, yo pa gen rien, y a pris une comme résolution, yo pa gen rien, y a côté comme ki choy de bon pour peuple là, blanc obligé mettre parce que blanc connaît, il faut qu'on des solutions, et ça qu'il faut prendre. Tout problème yo, li voye tout à chiton sur le côté Jamaïque, et puis pour yo discuter entre yo. Problème pas résoudre le problème. En pile joué boss. En pile là dans ces problèmes, yo, c'est eux même qui baye zam. Dans le quartier populaire, l'intégrité sur la élection, c'est eux-mêmes qui le gouvernement qui nous gagnons, c'est eux-mêmes qui mettent les ministres, c'est eux-mêmes qui aiment le peuple qui fait corruption. En pile là-dedans, tout là, il y a de l'argent pour le Caribe. En pile, je eh bien, nous avons un peuple qui a des problèmes avec eux. Ils connaissent les gagotés, ils voient les gagotés. Ils connaissent les manger, ils voient les manger. Ils connaissent les deux, ils voient les manger. Ils connaissent les gâteaux, ils voient les couper. Mais le peuple a prêté vigilant. Avec bataille bois calé, peuple a prêté soudé avec sa gagne comme conviction pour retirer tête de dans ça. Jodi a nous gagne responsable en général dans général un projet de DGI a organisé cérémonie hier 6 juin pour être capable célébrer 99e anniversaire création institution ça qui était prendre naissance en date 6 juin 1924 et c'est une cérémonie qui déroulé dans présence de plusieurs membres dans gouvernement Ariel Henry tankou économie finance là Patrick Boisvert directeur général DGI Jean-Emmanuel Casséus fondit ça seulement dans discours circonstance là numéro 1 DGI Jean-Emmanuel Casséus présenté historique cité DGI bien qui c'est institution et lui rappeler avec Casséus mais qui rôle ak mission que DGI la pour lui faire. Jean-Emmanuel Casséus dans micro. Ce 6 juin 2023 ramène le 99e anniversaire de la DGI au service de la collectivité nationale dans l'exercice de ce noble métier de perception de droits, impôts et taxes destinées à assurer la soutenabilité et la souveraineté financière. Dans cette quête permanente de la réalisation de la mission fondamentale qui lui est dévolue, l'histoire de notre administration fiscale nonagénaire est celle d'une institution qui a connu de profondes mutations au cours du temps. De l'administration générale des contributions à sa date de création le 6 juin 1924, elle est passée à la Direction générale des impôts en janvier 1987 suite à la fusion de l'administration générale des contributions avec le fichier central, la régie du tabac et des allumettes et la publication de septembre de cette même période portant son organisation de fonctionnement. Depuis, faisant sienne l'obligation de perfectionnement de la qualité de ses services aux contribuables, et usagers. La DGI n'a eu cesse d'entreprendre, de poursuivre ses initiatives de réforme et de modernisation au rythme des exigences du temps, progrès technologique, ambiant dans le but de mieux répondre aux attentes des parties prenantes en général et des contribuables et usagers de l'administration fiscale en particulier. Toutefois, à la pointe de l'innovation, à l'affût du tout dernier état de l'art en matière de la technologie et dans le souci de s'aligner aux meilleures pratiques fiscales internationales, la DGI continue sa modernisation à travers une nouvelle architecture de sa structure organisationnelle. La refonte et la rationalisation de son cadre réglementaire, incluant le tout nouvel avant-projet de loi organique, l'élaboration de manuels d'organisation et de procédures, l'implémentation et le déploiement de nouveaux systèmes d'information, en l'occurrence le Revenu Management System, communément appelé RMS, la modernisation des pratiques de gestion du foncier avec le projet d'informatisation du registre foncier d'Haïti et du registre d'inventaire territorial actualisé, le renforcement et le développement des compétences par une meilleure gestion des ressources humaines de l'institution à travers la planification des effectifs, l'évaluation et la formation des agents de l'administration.
Oui, sous bon parle Patrick Boisvert qui c'est ministre économie et finance là, li te parlé tout de wall ensemble avec importance de GI ta joué dans administration publique yo. Ministre Boisvert fait un plaidoyer côté que une administration fiscale moderne, transparent, responsable qui peut-être pas différent avec pratique internationale yo. Michel Patrick Boisvert est dans micro. À l'occasion de ce 99e anniversaire et à l'origine du centenaire de cette noble institution de perception, le MEF tient à renouveler son engagement sans faille à œuvrer au renforcement des capacités institutionnelles de cette administration et à la doter de ressources, d'outils pertinents dans le but de l'aider à accomplir sa mission de perception et assurer une prestation de services de qualité aux contribuables et usagers. En ce sens, le ministère de l'Économie et des Finances, suivant les instructions du gouvernement, a récemment conduit à terme l'élaboration et la publication de code général des impôts et de livres de procédure fiscale qui constituent une grande première dans les annales de l'histoire de l'administration fiscale haïtienne. Ce code cristallise toute la législation fiscale en un document de référence unique, accessible à tous, qui vise à simplifier les procédures fiscales et à moderniser le système fiscal haïtien au bénéfice des contribuables et usagers d'une part, du trésor public d'autre part. D'ici le 1er octobre 2024, ce code entrera en vigueur et l'administration fiscale sera chargée de sa mise en application. Dans cette perspective, un plan de mise en œuvre visant à préparer l'administration fiscale pour accélérer les réformes en cours pour une application efficace du code fiscal. Mesdames, Messieurs, la publication de ce code fiscal représente une grande première et permettra à l'administration fiscale d'entrer dans le nouveau centenaire mieux outillé que jamais pour accomplir de manière optimale sa mission fondamentale de perception. Cependant, le train de la réforme fiscale ne s'arrêtera pas, poursuivra son petit bonhomme de chemin. À l'ère du numérique, l'administration fiscale devra tout faire pour dématérialiser ses services et devenir ainsi plus proche des contribuables et des usagers. La déclaration et le paiement en ligne devront faire partie du quotidien des contribuables dans le nouveau centenaire. Le même exode, la DGI, à poursuivre les initiatives de réforme et de modernisation de ces systèmes d'information qui sont déjà en cours. Oui, nous avons tout Ariel Henry qui était présent dans l'occasion. Il était profité de saluer GFO responsable de DGI, côté que a fait effort pour permettre l'argent à rentrer dans la caisse de l'État pour assurer la souveraineté financière de l'État. Malgré la situation paraît difficile, chef gouvernement a plaidé en faveur de solidarité, dans la toute force vive nation, dans l'idée pour trouver une solution dans la difficulté économique pays d'Haïti a confronté depuis un bon bout de temps. Madame Monsieur Ariel Henry, t'es dans micro. C'est avec plaisir que je me joins en ce jour du 6 juin 2023 à la grande famille du ministère de l'Économie et des Finances pour prendre part à la cérémonie de célébration du 92e anniversaire de notre prestigieuse et noble administration fiscale, en l'occurrence la Direction générale des impôts. Cette institution occupe une place centrale dans la vie de notre nation par sa mission fondamentale, perception de droits, d'impôts et de taxes, combien essentiel au développement national et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le seul but de satisfaire les besoins fondamentaux de nos collectivités. L'institution fiscale demeure pérenne, intangible, gardant toujours intacte toute sa flamme dans la mission qui est la sienne, de pourvoir la collectivité en ressources financières suffisantes pour assurer pleinement les charges qui lui incombent. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement en profite pour saluer les efforts de l'administration fiscale, de la Direction générale des impôts, dans la mobilisation de ressources en vue d'assurer la soutenabilité et la souveraineté financière de l'État
malgré vents et marées. Le gouvernement s'en voudrait de ne pas apprécier les efforts de modernisation et de réforme de cette institution, conformément au plan de modernisation de l'État et au plan stratégique de développement d'Haïti. Aujourd'hui, plus que jamais, de notre vie de peuple, nous nous retrouvons à la croisée des chemins où les défis à relever sont énormes. Seule la solidarité entre nous tous, citoyennes et citoyens, peut nous aider à sortir du marasme économique, des gouffres de turbulences sociopolitiques, d'instabilité chronique qui prélèvent un lourd tribut sur notre bien-être collectif. Et, parlant de solidarité, il n'y a pas mieux que celle de l'impôt. Ce geste de mutualité citoyenne que représente l'impôt est essentiel à l'équilibre de nos finances publiques, à la construction des infrastructures de base, à la prestation des services sociaux, à savoir santé, éducation, sécurité et justice, bref, à la satisfaction des exigences du vivre ensemble et des fonctions régaliennes de l'État. Voilà, c'est comme ça, et nous avons tout président syndicat personnel, ministère éducation nationale et formation professionnelle. Là, Gary Lapierre salue visite ULCCO dans le local là, pendant la semaine qui s'est passée. Syndicaliste a dénoncé la corruption qui a fait dans le ministère là, et il souhaitait que ULCC mette rapport ça dehors, et c'est bien sûr une façon pour la société en soi capable de connaître à quel niveau que responsable y est dans le ministère éducation nationale. Et ne pas faire corruption, quel danger a présenté nos reportages sous dossier ça. Dans l'idée pour faire lumière sous ensemble soupçons corruption dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle là, enquêté ILCCO depuis quelques jours là, réalisé plusieurs visites dans différents locales ministères gagnés dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Yon visite qui semblait ba en pile qui est sauté dans l'institution ça. Pour Gary Lapierre, président syndicat personnel ministère éducation nationale, c'est un bon pas qui franchit. Li applaudit sans réserve, visite ça. Nous voyons ce CD sans hier, avant hier dans le théâtre, nous avons déroulé tout si vous avez posé toutes les questions, de passer ça et nous plaisir. Nous disons, monsieur, le travail qu'il a fait, le rapport qu'il a fait pour le bail, pour toute société, c'est un rapport qui nous met dans ça. Corruption, c'est une pi gros fléau qui empêche le bon fonctionnement d'une institution. Mais pas bon, ici en Haïti, c'est une pratique ministre qui passait dans la tête du ministère de l'Éducation nationale. Utilisé pour enrichir tête d'après syndicaliste Gary Lapierre qui dénonce cette situation ça. Il prend comme exemple ministère éducation nationale qui loge dans environ 19 locales. En tout cas, c'est 19 locales ministère. 19 locales, et me pense pour informer toutes les questions, on dit que c'est même employé tout que des monde dans ministère qui gain local qui doit ministère. Ça ils sont aberration et me pense c'est des locales qui sous loué. Par rapport à quelqu'un de local qui est loué, qui est loué encore, et c'était un gros somme, hein, l'offre dans le local 83, qui coûtait l'État haïtien $8,500 américains chaque mois. L'homme est civilisé $8,500 américains pendant 12, de presque pour $100,000 américains. Et c'est civilisé, ça vient 7 ans l'air. Et local, ça, pour qui est lié, c'est local, des hommes politiques qui ne doivent pas parler fort dans le pays. L'offre est un qui coûte local, ça, c'est Jean-Aubert Agan. L'homme dit que c'est $6,000 américains par mois. Vous combien vous faites? L'homme prend l'argent, prend. Bon, mon côté inspection générale. C'est boum, quoi, c'est pas. Il est chargé de 4 consignes contre 5 ministères nationaux. Et nous mettons les barrages pour vous les dénoncer. Moi, personnellement, je suis victime de ça. Pendant que la corruption continue à appeler l'école dans l'institution dans le pays, alors que l'enseignant prend le parti là, son 9e semaine de mobilisation pour exiger bon conditions de travail et ajustement salaire qui est raisonnable. Pour porter solidarité et revendication enseignant yo, président syndicat personnel ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Gary Lapierre annoncé dans jour k'ap vini là grève dans 10 départements pays a pour dénoncer la corruption dans ministère éducation nationale et puis
exiger démission Nesmi Maniga. Dans ce semaine qui a venu, le syndicat dans le ministère, par contre, on peut faire un décret, on va aller à mon secret dans ce qui a venu. Comme ensemble des enseignants bloqués, on est là, tout ce qui a été fait, le syndicat dans le ministère, dans toutes les directions départementales, il y a une pression pour les soupes, il y a des mesures de besoin de camper, tout pour que le syndicat va passer. Depuis Port-au-Prince, Haïti, qui est en danger. J'en sais de lancer comme ça, enseignant qui a travaillé dans l'école dans le programme Psygoyo, Ponec, avec département Niplan. Yo te organisé tout hier un sitting devant bureau éducation Niplan. Et objectif mouvement ça, c'est pour être capable de réclamer l'argent de l'année de travail que l'État a doué. Correspondant nous, en Claude Clercin depuis Miragouane, abanons plus de détails sur ça. Plusieurs professeurs qui travaillent dans l'école qui fait partie du programme Sigo et Ponec qui dans le département Niplan. Organisé un sitting journée mardi 6 juin 2023 devant bureau départemental éducation pour réclamer l'argent de l'année travail yo di responsable yo dwe yo. Professeur Sayo qui était plusieurs dizaines te sorti dans différentes communes dans département te réuni devant bureau éducation a lancé en pile parole piment bouc contre responsable yo di cap faire manœuvre pour pas payer l'argent yo les yo choisi faire yo a marcher monter descendre. Ça yo pa jam di rien sous ça alors que d'après enseignant yo tout l'autre département déjà touché c'est celle yo même nan nip ki poko joine kob yo professeur sa yo ki té en colère contre autorité yo fait konnen yo gen tête yo ak fami yo pou yo pran soin li pa normal pou yo passer de l'année ap travay sa yo pa jam touché professeur sa yo ki menacé continuer ak mouvement si la mandé ak responsable yo fait tout ça dépend de yo pou yo payer kob yo sinon y a fermé porte l'école yo pour forcer responsable répondre à revendication yo depuis métropole Nip Miragouane Henri Claude Clessin TAC 509. Et voilà, responsable bureau moun handicapé ou nan Nip Jean-Claude Delamour li mandé avec autorité yo qui en dans département pour capable suspendre humilier moun handicapé d'après Delamour moun sa yo c'est moun yo et tout et au besoin cadrement pour vivre. Jean-Claude Delamour té nan micro correspondant nous en Claude Saint. Et forme de son catégorie moun qui toujours humilié. Alors m'a mandé autorité départementale yo pour lever humiliation ça parce que yo humilié mon handicapé yo yo fait quand coup yo j'aurais yo bouché yo pas attendé alors que tout dans sur radio m'a dit mes amis faut nouveau et j'ai gardé mon ça mais malheureusement yo choisi humilier yo donc m'a demandé deux bagages premièrement déboucher les oreilles yo pour entendre cri nous les n'a parlé pour mon handicapé et puis deuxièmement lever humiliation ça que yo posé sous dans cadre mon handicapé yo que yo humilié chaque jour fongeant passer wè yo garder qui je nous ka utiliser qui moyen nous ka utiliser pour bailler un petit soutien parce que gagner pas dit pas gagner non même si pas gagner gros mais gagner donc lever humiliation ça suspend humilier mon yo et puis déboucher les oreilles nous autorité parmi yo pour entendre parce que mon yo gagne besoin mais qui ça va faire pour vivre pour survivre mon yo grâce à l'église si c'est pour l'état tout a mouri déjà. C'est grâce à l'église protestante, l'église catholique. C'est pour l'État, les consommateurs, après, donc, gagne la vivant. Et bien sûr, ouais. Et nous avons continué juste avant nous aller. Et qui t'aime fort, qu'on est que Blaise Élisée, nous connaît qui c'est magistrat commune Mont-Rouyon. L'été par une interview et dans Island TV, l'été fait qu'on est que problème insécurité qui gagne. Dans la commune, c'est un manque de responsabilité que l'autorité a gagné dans l'État, côté que n'a jamais gagné volonté depuis longtemps, pour éviter ça qui a passé sous côté là, pour pas arriver dans le niveau ça. Nous avons tout militant politique là, Luberson Benjamin, que nous tous connaissons notre théorie, les qualifier de bluff. Rencontre acteur politique haïtien yo sous crise haïtienne dans pays Jamaïque a gagné pour organiser le sorti 11 pour 23 juin qui a venu là selon activiste politique là rencontre ça pas abouti avec aucun résultat pour Haïti c'est tout simplement pour capable régler les affaires personnelles yo et dans situation que pays a trouvé là c'est bien sûr une table ronde qui t'a supposé faire côté que famille Lavalas petite Desalines avec toute l'autre partie yo pour être capable chercher un possible sorti crise pour pays d'Haïti. Selon information, Luberson Benjamin dit Thiouri, li indiqué, c'est ça même. Nous pral invité à t'aider ensemble avec moi, Thiouri, qui t'a posé une question. Le volé, Kapfel. Entrez dans le bail, ça. Pour premier volé, depuis le pas fait Haïti, effectivement, volé à volé. Américain, appartient aux Américains. Premier monde qui tue Jovenel,
c'est américain pas parle sous ça c'est volé à voler m'entrer dans bas ça qui n'a qui c'est pour qu'on marre pas quoi la donne ayen là y a flané dans pays non t'es suspect c'est démissionné puis répondre question je dis à la justice besoin si oui m'braler oui pour pas les te cité bot mettez ma disposition m'vienne avec tout avocat les m'attendre ici même avocat maon je dis à la justice besoin et de l'aiguille comme commissaire gouvernement la besoin m'a venir jeune ou pas un exister programme un dossier m'bal venir nous jodi à pays a côté pays a son abus de dit la presse sous bagaille ba mi balaya m'd'a venir après le 14 les barreaux a sorti son faux note sous moi dit m'd'a dit m'avocat meni le 17 m'd'a écrit barreaux a meni mais là qui est-ce qui te recevoir les bâtonniers qui te recevoir lui sous toute réserve meni le 17 novembre 2022 et a regarder vidéo m'a donc un journaliste a regarder vidéo a quand tu me dis ma avocat ba mi balé et pas bien que tu besoin femme je dis regarde promotion ouais qui te ba 30 décembre plus fort ami mieux promotion mieux prêter serment yo gen 4 barre nan pas tout autant beaucoup Ariel démissionner pour la répondre question ba quoi la donne mais je dis assure condamné Oudolja faut la gue nèg là civil la guerre civile qui écrit tout rapport là il te gen dit président pour mourir mais ça il a pour ça aucun bel Dimitri vieux malheureux pour ça aucun bel c'est un des sombres complot détaillé. Ah, ça, on va parler sur le complot. Féliciter Ariel et finalement de voir Ariel. Non, pas. Tadim, pas piéger la presse. Mais ça, me dit, pas piéger. La presse de gars. Oh, la presse, pas piéger moi ça. Je dis, ma félicité, Tadim, ma prédit encore une fois. Non, Ariel Henry sorti un rapport. Moi, je dis, selon un rapport, ancien commissaire du gouvernement, Belford Claude. Qui dit yo joine trace appel monsieur pas moi qui dit c'est pas que c'est la justice via un commissaire gouvernement qui te dit moi même solliciter monsieur une chose qui meilleur que le démissionner à retirer soupçon je dis si on dit tu voler faut mal retirer même j'ai tête dire moi cap 3e dans pour mal candidat pour magistrat moi retirer soupçon hein devine présenter à l'époque devant commissaire gouvernement substitut Albert moi retirer tag là malgré qu'on a m'attaqué tété à preuve pour me dire voir le téléphone via un rapport SCH où j'aime de SCH démenti mais qu'on a une division dans SCH anel besoin pour un bon anel principe de cela madame Lamotte prend dans l'ouest là on va comme ça même il divise en bout de morceau je dis Haïti divisé clair je dis on a les clair nous même la presse travail pas nous on a fait nous pas gain pour nous non de rien moi même dit vérité là. Moi-même solliciter monsieur comme premier ministre ou démissionner ou soit jouer en passation. Parce que soit ministre de planification Ricard Volé Delco ou camper ou dit bon, je réponds à la question de la justice. Là, mieux. Et bon, actuellement là, ce pouvoir, il a venu devant Edgar Guillaume, il dit bon, parquet à terre, moi, sous Belford, je viens lever soupçon ça. Il n'y a pas rien, depuis la justice, il faut présenter. Deux matins, il y a besoin de tirer, présenter. Claire, noir sur blanc, pas gagné. Ça me dit la presse. Eh bien, oui, madame, monsieur, je ne saute pas de là. C'est comme ça, l'information a déroulé dans le pays d'Haïti. Et nous, avons merci. Le fait que c'est un monde qui était pointé temps pour regarder la vidéo, ça, c'était avec vos amis, René Dem, quoi, pour servir. Bonjour, bonsoir tout le monde, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. La police nationale prend gros disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coquin chien mariage, population avec la police fait. Nous avons lancé opération Bois Calé Wash Maman. Gaillé Kaka Bandi.
étranger pour nous foutre marcher prend yo. Si mes manchettes manchettes sous yo. L'itelè, l'itelè temps pour révolution la guerre. Gagne un bois calé, wesh maman.